Bonjour les triconautes, aujourd'hui on va tricoter ensemble le point de cluster. Allez, c'est parti! Alors, pour tricoter le point de cluster, on va avoir besoin d'un multiple de 8 plus 5 mailles. Et on va commencer tout de suite notre premier rang par un rang tout à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter le rang suivant tout à l'envers. Je tourne et je vais tricoter le rang 3 en tricotant 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Puis je vais prendre une aiguille auxiliaire et je vais glisser 3 mailles sur cette aiguille auxiliaire. Je vais la laisser devant. Et je vais enrouler la laine dans le sens des aiguilles d'une montre autour de ces 3 mailles 6 fois. Donc 1, 2, hop, attention à ne pas prendre les aiguilles, 3, 4, 5, 6. Je termine avec la laine derrière. Je glisse à nouveau les mailles sur l'aiguille auxiliaire et je vais tricoter ces 3 mailles. À l'endroit, bien sûr. Une, on serre. Deux et trois. Voilà. On tricote à nouveau 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, et je refais la même opération. Je prends une aiguille auxiliaire, je glisse 3 mailles sur cette aiguille auxiliaire, et je vais enrouler la laine autour de cette aiguille auxiliaire dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3, 4, 5, 6. Je finis avec la laine derrière. On arrange un petit peu les brins. Et je vais tricoter à l'endroit les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Voilà. Je tricote 5 mailles en droit. 2, 3, 4,
5, je tourne et je vais tricoter le quatrième rang tout à l'envers. Je tourne, je vais tricoter le cinquième rang tout à l'endroit. Je tourne. Et le sixième rang tout à l'envers. Je tourne. Et je vais tricoter le rang 7. Pour cela, je tricote une maille à l'endroit. Puis, je vais prendre 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire. Et je vais enrouler ma laine autour de ces 3 mailles. Donc attention à ne pas perdre la laine comme je viens de faire. À ne pas perdre l'aiguille. 2, 3, 4, 5, 6. Je repasse la laine derrière l'aiguille de droite et je vais tricoter les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Je tricote 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais la même opération. Donc aiguille auxiliaire. 3 mailles glissées sur cette aiguille auxiliaire. Et j'enroule la laine autour de ces 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà, à nouveau 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles de l'aiguille auxiliaire,
et je vais enrouler 6 fois la laine autour de ces 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je repasse le fil au niveau de l'aiguille droite, derrière. Et je tricote les 3 mailles en droit de l'aiguille auxiliaire. Je termine par une maille à l'endroit. Et on fait le 8e rang que l'on va tricoter tout à l'envers. Voilà. Et voilà le point de cluster. C'est tout du coup pour le point de cluster. Ça ressemble comme à des petites nopes, sauf que je trouve ça vraiment super sympa. Je verrais bien ça sur un pull pour enfants, par exemple, ou un accessoire pour enfants. Je pense que ça serait très ludique pour eux et que ça leur plairait beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout pour le point de cluster.